Salut tout le monde, Sex et les Ponts, je vous remercie d'avoir suivi ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui sur GTA V pour ce quatrième épisode du DLC Caio Perico. Donc aujourd'hui, on va continuer mission préliminaire, je pense. Allez, c'est parti. Bon, il faut que je me mette devant le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Objectif secondaire préliminaire. Ok, donc on a plusieurs objectifs. Je pense que c'est un peu de mélange entre mission casino et la fin du monde, si je comprends bien, parce qu'il y a des missions préliminaires et missions secondaires, enfin renseignements. Donc pour les renseignements, ben évidemment on peut pas y aller tout de suite. Par contre, mission préliminaire, on peut choisir ce qu'on veut, soit un avion, soit un sous-marin. Bon, qu'est-ce qu'il faut pour aller plus rapide? Si je prends un avion, je pense que est-ce que ça va être plus rapide? Bon, ça j'ai déjà volé, ça j'ai déjà pris. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse là maintenant? Hop, ici, mais c'est bizarre, ça n'a pas marqué par contre. Ça n'a pas marqué du tout. Agresseur. Ah, il faut que je choisisse le type d'arme. D'accord. Sniper. Ok. Bon, je pense que je vais choisir un tireur d'élite, hein. C'est parti. Alors pour le moment j'avance au pif, hein. je sais pas trop à quoi m'attendre. Donc alors, est-ce qu'il faut voler ou il faut acheter les arsenales? À mon avis, il faut que je vole, hein, parce qu'il y a des ennemis là, sur place. Ils sont plutôt nombreux, hein. Ils ont pas l'air commodes. Allez, c'est parti. Alors, qui est-ce que je vais tuer en premier? Fini pour toi, fini pour toi, fini pour toi. Elle était bien cachée, mais sauf que j'ai l'œil de lynx. Je sais pas comment attendre. The shipment will be kept separate from the regular weapons. Look for gun locker somewhere. It may be hidden. Ok, fouille le bureau et recherche l'armurerie. Ah mais là je suis chez le FBI quoi. Carrément. Enfin, je suis bien rentré chez le FBI là. Ça s'est fait. Ah, c'est qui va me tuer? J'ai tué au hasard. Le mec derrière, il joue. Je pense même que j'ai pas de shield. Ah, je vais mourir. Ceux-là, ils sont pas en danger parce qu'ils sont derrière.
derrière vitre blindée. Oh, il faut que je prenne la vie là. Je suis carrément trop bien touché. Vas-y, je remonte. Je tire quand même. Je pense qu'il faut passer par là. Ouais. Voilà, ça c'est fait. Ça c'est fait. Il est où cette armurerie? Hop, je me cache quand même. Et quoi que je l'ai pas vu derrière télescope. Ah, l'armurerie, ok, bah il doit être par là. Hein. Quelque part dans le mur, si je me souviens bien. Ah bah voilà. Ah, c'était pas difficile. Hein. L'armurerie est verrouillée. Il doit être OK devant l'ordinateur. J'espère que celui-là, il va pas m'attaquer. J'ai attaqué le PDG, quoi. C'est pas le FBI, mais c'est le PDG. 73-27. Il faut trouver 73-27. J'ai trouvé. Ah, ça va. Aïe, j'arrive pas à trouver. Ah, voilà, c'est bon. Sauf que j'ai un problème de manette. Voilà, c'est bon, je l'ai eu. Hop. J'étais gravement touché, mais. J'ai aussi quand même me rétablir. Je bafouille un peu, hein. Hop. C'est bon. Je récupère ce qu'il faut. Ok, je pense que dehors, on va m'attendre lourdement. Wow! Est-ce que j'ai le temps de courir? Ce que je veux, c'est quoi? C'est bon. Ça c'est fait. Du coup, il y a un autre. Est-ce que je peux l'exploser? Vas-y. Il est lourdement touché. C'est bon. De l'autre côté. Ils sont touchés aussi. Vas-y. Allez, il faut toucher le chauffeur. Ah, ils ont eu du mal. Hein. Oh, il y a un sniper en plus. Il faut que je quitte là. Ah, c'est bon. Ah, il y en a d'autres. Il faut que je pars. Hein. Est-ce que je vais prendre... cet hélicoptère, je vais prendre l'hélicoptère bizarre. Ça va plus vite. Ah, je peux même pas prendre bizarre. Allez, descends-toi. Je peux pas prendre bizarre. Est-ce que je peux prendre voiture? Ah, j'ai un problème de ma manette là. Voiture personnelle. Ouais, je peux prendre. Je peux prendre voiture personnelle. Ça, c'est cool. Ah, c'est bon, je vais prendre mon oppresseur. C'est parti. Livrer les armes à Kozatka. Ok, on va dire Kozatka, ça va plus vite. Boum. Hop, ça c'est fait. Encore un autre. Ah, il faut que je me dépêche hein, parce que ça va être à l'infini, ça je pense. Il y a un autre sous-marin quelque part. Entrer dans le Kozatka. Ok. Bon, pourquoi il dit pas sous-marin? Ça va plus vite, non?
Parce que c'est un nom bizarre quand même. J'arrive pas à bien lire, hein. Wow. C'est bon, je suis arrivé. Du coup, où est-ce que je dois y aller pour rentrer? Au fond. Et voilà, mission préliminaire terminée. Vous avez livré les armes. Ouais, tout au début de la vidéo, je disais que c'est un mélange de la boîte de nuit et... enfin, le braquage, quoi. Le braquage de la boîte de nuit et la fin du monde, bah oui, c'est vrai. Parce que ça ressemble un petit peu au braquage de la salle d'arcade, ça. Hein. C'est... On fait un solo et après, je pense que... une fois que toutes les missions préliminaires sont finies, bah après, c'est... Mais je trouve ça bête parce que tu fais tout le boulot du début jusqu'à la fin. Enfin, du début. Et après, à la fin, tu dois partager l'argent. Donc, pour moi, c'est pas normal. Si tu fais le préliminaire et tout ça, ben, ça doit être à toi seul l'argent, quoi. En tout cas, pour ce petit dernier discours, j'espère que vous avez passé un très bon moment en regardant cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur le like, de faire partager. Et toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer sur la petite cloche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!